Bienvenue dans cette nouvelle formation où nous allons voir ensemble, bien sûr, 8 astuces Excel. Ces astuces pouvant largement augmenter votre productivité. Restez donc jusqu'au bout de cette formation afin de toutes les connaître. Mais avant cela, un petit générique. Première astuce Excel. Saviez-vous qu'il y avait un appareil photo incrémenté dans Excel ? Pour l'activer, il faudra aller dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquer sur cette petite toupie, ici aller dans « Autre commande » et aller chercher ici « Commande courante », sélectionner toutes les commandes. Tapez rapidement « APP » pour « Appareil photo », il est ici, et faites « Ajouter ». Donc cette manipulation va me permettre d'avoir l'appareil photo à la barre d'accès d'outils rapides. Cliquez sur OK. Nous pouvons voir l'appareil à photo qui est ici, dans l'outil accès rapide. Sélectionnez ce tableau, cliquez sur l'appareil photo et dessinez cet appareil photo juste à côté ou où vous le souhaitez. Donc une image apparaît. Je peux bien sûr la déplacer où je le souhaite. La particularité de cette image, c'est que si je change de données dans le tableau d'origine, par exemple dans la deuxième ligne, je vais mettre 100 000, je fais Entrée. Comme on peut le voir, dans l'image, la donnée s'est actualisée automatiquement. Astuce numéro 2, comment compter des valeurs uniques. Donc si je vais dans l'onglet NB Val Unique, ce que je souhaiterais, c'est compter le nombre de valeurs uniques. Là, nous pouvons voir, par exemple, qu'il y a plusieurs fois Alain, Pierre, Paul et Jean. Donc, ce que je souhaiterais, c'est compter le nombre de valeurs uniques. Donc, pour cela, je vais me mettre dans la cellule C3. Je vais commencer par la valeur NBVal. J'ouvre la fonction. Je l'incrémente avec la fonction unique. Ici, je sélectionne la colonne B, je ferme la fonction, nbval et je mets moins 1. Je fais entrer. Excel me dit qu'il y a 4 valeurs uniques. Dans le but de vérifier cette valeur, qui est le nombre 4, je vais pour cela me mettre dans la cellule C5 et travailler avec la fonction unique. Si je sélectionne cette plage de cellule, je ferme la fonction et je fais entrer. Excel me ramène que des valeurs uniques. En effet, il y en a 1, 2, 3, 4 valeurs uniques. Astuce numéro 3. Comment incrémenter automatiquement des mois? Si par exemple ici, je me mets dans la cellule F6 et que je mette une date, par exemple le 1er janvier 2022, je vais créer une série en faisant un copier-coller de haut en bas. Ici, j'ai du 1er janvier au 12 janvier, mais si je ne souhaite incrémenter que des mois, il suffit de sélectionner cette page de cellule, cliquer sur cette petite icône, et ici, incrémenter les mois. À présent, j'ai janvier, février, mars, etc., jusqu'en décembre. Bien sûr, au même titre que les mois, je pourrais incrémenter des années. Donc, je sélectionne cette page de cellule, je clique sur cette petite icône, et ici, incrémenter les années. Astuce numéro 4. Comment faire une somme automatique pour avoir un cumul? Je vais aller pour cela dans l'onglet Somme CA. Ici, j'ai un tableau. Je vais bien sûr supprimer ces données. Et pour avoir la somme cumulée de toutes ces journées, je vais sélectionner toutes ces cellules. Égale, somme, somme de la cellule E6, deux petits points, E6 de nouveau, et cette cellule, cette dernière cellule, je vais faire un F4, je vais la figer. F4. Et je fais CTRL, je laisse mon nom enfoncé sur la touche CTRL, Entrée. Avouez que ce type de procédé est beaucoup plus rapide. Astuce numéro 5. Comment déplacer une ligne entre deux autres lignes? Si par exemple je prends le mois de mai, oui, donc je vais sélectionner cette ligne et lui donner une couleur spécifique.
Bon, je vais aller dans ici, dans le groupe police. Si je souhaite déplacer la ligne du 1er mai 2022, je veux la mettre après le 1er juin 2022. Il suffit pour cela de sélectionner la ligne, appuyer sur la touche Shift est juste, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche Control. J'ai bien sûr le symbole de déplacement, ces quatre flèches qui vont à l'opposé. Je vais cliquer sur ma souris et je vais la déplacer. Donc on peut constater que le mois de juin est avant le mois de mai. Astuce numéro 6, utiliser l'outil d'analyse rapide. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet analyse rapide, sélectionner toutes les données numériques. Ici, vous avez une petite icône. Si je clique dessus, je peux avoir des barres de données en survolant, avoir une échelle de couleurs, avoir un jeu d'icônes, avoir les valeurs supérieures. Si à présent je vais aller dans, par exemple, Graphics Sparkline et que je sélectionne la première icône, sur ma droite, j'ai des petits graphiques symbolisant les valeurs de la ligne. J'ai bien sûr type histogramme. Je souhaiterais par exemple aussi avoir ici, en cliquant sur l'onglet Toto, la somme, la moyenne, etc., etc. Astuce numéro 7, comment faire apparaître des cellules vides. Pour ce faire, je vais sélectionner toutes mes données, aller dans Accueil, et ici, Rechercher et sélectionner, sélectionner les cellules, et cocher dans la boîte de dialogue Cellules vides. Je clique sur OK, et je pourrais éventuellement donner une couleur à ces cellules vides, par exemple, une couleur rouge. Cela me permettrait par exemple de savoir quel mois et quel article où je n'ai pas fait de vente. Astuce numéro 8, comment masquer des valeurs avec un format personnalisé. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet masquer valeurs. Ici, j'ai des prix unitaires, des articles, des quantités et des montants. Alors, si par exemple vous ne souhaitez pas faire connaître vos prix unitaires, il suffirait de les masquer. Alors comment faire? Je vais sélectionner cette plage de cellules, cliquer droit, aller dans Format de cellules, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît, aller dans Personnaliser et ici changer le premier type par 3 points virgule. 1, 2, 3. Si je clique sur OK, les valeurs ont disparu. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que par exemple, si je change de valeur pour la quantité de l'article 1, je vais mettre 200. Les formules sont toujours actives. Cette formation est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt.